Hello everyone, this is week 9, part 2. Part 2, date. Today, Michael Jackson. Michael Jackson was born on the 29th of August 1958. Repeat, the 29th of August 1958. Michael Jackson was born on the 29th of August, 1958. Part 2, question. Ready? Wow, another new question. Listen and repeat. When were you born? Cette question permet de demander à quelqu'un sa date de naissance. J'ai pensé que comme à chaque vidéo, on annonçait la date de naissance d'une nouvelle personne, eh bien, ma foi, il était grand temps que vous connaissiez la question. OK? Pour répondre à cette question, vous direz « I was born on » et votre date de naissance. OK? Par exemple, Michael Jackson aurait dit « I was born on the 29th of August, 1958. » OK? So, pause the video. Mettez la vidéo sur pause. Go to the warm-up. Allez au warm-up. And write down the question and the answer. Et écrivez la question et la réponse. I'll meet you in a second. Part 2, correction. Exercise 1, they are doing, they aren't doing. Number 1, listen and repeat. He isn't playing, he is laughing. Number 2, listen and repeat. She isn't eating, she's walking. Number 3, listen and repeat. They aren't walking, they're laughing. Number 4, listen and repeat. They aren't playing, they are eating. Ok, comme d'habitude, hein, vous prenez le temps de vérifier vos réponses. Pause the video to check your answers. And join me for exercise 2. Exercise 2, are they mm-hmm-ing? Number 1, is he speaking? Yes, he is. Number 2, is she playing? No, she isn't. She's running. Number 3, is he running? No, he isn't. He's speaking. Number 4, is she eating? No, she isn't. She's jumping. Number 5, is he laughing? No, he isn't. He's smiling. Number 6, are they playing? Yes, they are. Number 7. Are they walking? Are they running? No, they're not. No, they aren't. They're walking. And number 8. Is he eating? Yes, he is. Okay, exercise 3. Donc, la forme négative et la forme interrogative du present continuous. Pour la forme négative, ça donne la formule suivante, sujet, plus be au simple present à la forme négative. Petit rappel, ça donne ça, I'm not, I am not. You, we, they are not ou aren't. She, he, it is not ou isn't en forme contractée. Ok? Donc notez bien cela dans la marge de votre cahier comme sur l'écran. Et donc, sujet plus simple present à la forme négative, plus base verbale en ing. Voilà pour la forme négative. La forme interrogative, on mettra d'abord be au simple present, puis le sujet, puis la base verbale en ing, et le reste de la phrase suivi, évidemment, du point d'interrogation. Ok ? Je veux que vous ayez exactement ce que vous voyez à l'écran sur votre cahier, donc si ce n'est pas le cas, mettez sur pause et... modifier ce qui doit l'être. OK?
Part 2, task. Okay, first, prepare your notebooks. Three exercises today, trois exercices aujourd'hui. So, in part 2, exercise 1, house chores, les corvées domestiques. Donc, vous numérotez comme on l'a fait souvent, en deux colonnes, de 1 à 7 et de 8 à 14. Vous enlevez cette petite faute de frappe là, le petit point virgule n'a pas à être là, évidemment. Pause the video and do this. Exercise 2 and exercise 3. So first, mark. Et vous numérotez de 1 à 4. Vous sautez deux lignes à chaque fois, sauf pour le numéro 4. Car il faudra reformuler les réponses 1, 2, 3, mais pas la réponse 4. Et puis le titre de l'exercice 3, Aunt Martha and Betty. OK? Pause the video so you can do this. And join me for the next slide. OK. Number 1, house chores. Alors, vous allez voir une série de 14 photographies. Donc, voici la première. Elles représentent toutes, des corvées domestiques dont vous avez le nom ici. Il faut, dans l'exercice 1, tel que vous l'avez présenté dans votre cahier, écrire l'image, la corvée qui correspond à l'image numéro 1, numéro 2, etc. OK? So you have make the bed, take the rubbish out, do the shopping, do the washing up, make dinner or cook, do the vacuuming, ceci n'est pas une faute de frappe, il y a bien deux U. Clean the house, put the washing machine on, tidy your room, mop the floor, unload the dishwasher, do the ironing, fold the laundry, and water, il ne devrait pas y avoir ING ici, excusez-moi, water the plants. OK? Donc vous barrez le ING hein, sur toutes les slides. Alright, so this is picture number one. Voici l'image numéro 1, photograph number 1. Number 2. Number 3. Vous connaissez la règle, hein. Soit vous mettez sur pause et vous le faites au fur et à mesure, soit vous regardez toute la vidéo puis vous revenez en arrière, c'est comme vous le souhaitez. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7, number 8, number 9, number 10, number 11, number 12, number 13, number 14. Okay, ready for exercise 2? Exercise 2 and 3, actually, exercises 2 and 3. 2, Mark, 3, Aunt Martha and Betty. Alors, dans l'exercice 2, vous allez répondre à la question « What is Mark doing ?» Nous allons regarder une vidéo et c'est là que vous trouverez les réponses. Alors, non seulement vous allez répondre à cette question « What is Mark doing ?» mais vous allez voir que ça va être exprimé de façon très simple, très neutre dans la vidéo. Vous, il va falloir reformuler en utilisant une des expressions plus précises de l'exercice 1. Okay? Il faut faire ça pour les phrases 1 à 3, mais pas pour la 4. Okay? Et l'exercice 3, Aunt Martha and Betty, il va falloir répondre aux deux questions. What is Aunt Martha doing? And what is Betty doing? Okay? Ready to watch the video? Off we go then. Wow! Unit 13. Present continuous. Good morning, Mark! What are you doing? I'm
been cleaning. That's weird. Mark is very lazy. Hi, Mark. What are you doing? I'm tidying my room. That's weird. Hi, Mark. What are you doing? I'm cooking. That's weird. Hi, Mark. What are you doing? I'm wearing my new shirt. Why are you wearing your new shirt? Aunt Martha is coming! Oh no! I'm leaving! Et voilà. Bon, vous l'aurez compris, Betty, c'est la jeune femme en vert. Deux petites précisions de vocabulaire. That's weird, qu'elle dit au moins trois fois. Ça signifie « ça c'est bizarre ». Et puis « lazy », ça veut dire « paresseux ». Ok ? So, c'est à vous maintenant. Il ne me reste plus qu'à vous dire « good luck ». See you soon. Bye.